Bonjour à tous. Mais non, je t'ai pas tapé dessus, moi. Bah, moi, je continue. Bon, bienvenue sur LanguageCraft. On commence là-dessus, bravo. Quelle image tu donnes de notre vie de couple? Bah, tout le monde dit qu'on va finir par un divorce, alors... On n'est même pas encore mariés? Bah oui, mais ils ont quand même employé ça. Ah bon. Bah, c'est super rassurant. Donc, merci à tous. On ne va pas finir en divorce, au contraire. Mais tu fais quoi? Alors, est-ce qu'il pleut encore? Oh, putain, mais il pleut encore. Bon, écoutez, je suis désolé. Hop. Voilà. Voilà, je sais, avec ça faisait un arc-en-ciel. De quoi, moi, en train de sauter? Non, avec le rose fluo, là. Quel rose fluo? De ton armure. Ok, alors, quel est le programme aujourd'hui? On voudrait se lancer dans l'agriculture. C'est ça. Ce me semble. Ouais, alors, du coup, Il y a plusieurs choses qu'on peut faire dans Minecraft, dans l'agriculture. On a une graine, du coup, on va sans doute aller en prendre plus. La voici. La voilà. Qu'est-ce qu'il y a d'autre? Il y a des carottes, il y a des citrouilles, il y a des melons. Ah ouais, j'en ai trouvé quand je me suis entraînée. T'en as des citrouilles? Non, mais non. Ah non, dans ta partie solo. Dans mon autre partie. Oui, madame a joué en solo. Oui, mais c'était sur mon ordinateur, c'était juste invivable. Oui, non, mais ceci dit, ton ordinateur portable, parce que d'ici une semaine ou deux, tu auras une bête, un ordinateur fixe plutôt digne de ce nom, je dirais, vu la config que je t'ai préparée, mais bon. Oui, ce sera mon nouveau jouet. Donc voilà, donc ouais, ce sera ton nouveau jouet, ça promet. Bref, on a donc les graines et voilà, donc citrouille, à la limite... Il y a les carottes aussi, je ne sais pas si je les ai mentionnées. Oui, tu les as mentionnées. Alors, je vais utiliser un bug, un cheat. Tintin. Qui, bon, je l'espère, vous m'autoriserez, parce que sinon... ce sera trop tard, de toute façon. Voilà, c'est ça. Pardon. Mais je n'ai pas réussi à trouver, sinon. En gros, ce qu'on cherche, c'est un donjon. Non, c'est quoi le... Ouais, si, un donjon avec un spawner. Qu'est-ce que tu fais? Il fait nuit, il va falloir dormir. Non, moi, je me disais qu'on pourrait partir après, de nuit, enfin, au lever du jour, pour faire des vrais fermiers, tu sais, qui se lèvent super tôt. D'accord. Et donc, il va te falloir ceci. Et... Ah, c'est moi qui le fais? Bah oui, c'est mon... Mais ça, ce que je viens de te passer, toute la redstone, dans la table de craft. Tu m'as passé de la redstone? Oui. Ah oui. Je mets... Tu la remplis. Donc voilà, quand quelqu'un est super riche et il n'arrive pas à stocker tout son truc, il fait des blocs. Donc il y a les blocs de fer, il y a les blocs d'or, il y a les blocs de diamant, il y a les blocs de redstone, etc. Et le bloc de redstone va nous être utile pour tricher, entre guillemets, enfin pour utiliser... Je me fais taper si je dis que ça ferait un super carrelage pour une salle de bain ou une cuisine. C'est ça. Enfin, par moi, en tout cas. Alors, au dodo, et demain, on va partir à l'aventure. Hey, ok, rise and shine, bright and early. Aïe, je suis en feu, génial. Ok, bon, la journée ne commence pas super bien. Ce que je te propose, c'est que moi, je vais aller me recoucher, je vais me lever vers 11h, et toi... Non, mais dites donc, là. Alors, vas-y, suis-moi. Moi, je suis déjà... je me suis déjà baladé un petit peu. Et j'ai vu... Oh, mais c'est abusé. Moi, je vois genre 10 blocs, et toi, tu vois déjà la... La jungle. La jungle. Faut vraiment que je me rachète un ordinateur portable, moi. Alors... Et chacun son tour. Oh, il y a un mouton qui descend des arbres. Le mouton descend de... J'étais en train d'y penser. À propos de références de chansons... Ah oui, exact. Vous avez été très nombreux à répondre, je ne pensais pas. Alors, beaucoup d'entre vous ont trouvé. Ah, c'était l'aigle noir? Non. Alors... Ah. Mais j'en sais rien, moi. Bah, moi, c'est celui c'était que j'ai vu. C'était pas l'aigle noir, bah, c'est un aigle sur le dos de l'homme à la moto d'Edith Piaf. Mais jamais, au grand jamais, je ne considérerais une chanson d'Edith Piaf comme étant ringard, qu'on se le dise. Ouais, mais il me semblait pas que c'était ça, parce que tu m'as dit que c'était pas ça, pas mais ça. C'est le seul que j'ai vu revenir beaucoup. Ah si, et donc c'était Alain Souchon, Je veux du cuir, qui était vachement plus dans le thème cuir moustache. Je t'ai perdu. Ouais, je sais pas. Ah, tu es coucou. Là. Alors, donc... Donc on bravo à ceux qui ont trouvé, hein, et puis pour ceux qui avaient proposé d'autres choses, c'était marrant de voir que vous avez vraiment essayé de trouver.
Alors, je vais regarder sur ton écran, parce que sur moi, j'arrive pas à le voir, mais d'après ton écran, j'ai l'impression que le temple est juste à notre droite. Non ? Il y a des lanternes. Ouais, c'est alors... des jack-o-... On peut le récupérer, ça, tiens. C'est pas des jack-o'-lanterns, ça, c'est du cacao. Ah ouais ! Vas-y, je te laisse récolter un petit peu de cacao, je vais faire de même. Non. Ça se récupère avec quoi ? Tu le tapes, juste. Avec n'importe quoi ? Ouais. Oh, j'ai du cacao ! Faire des gâteaux au chocolat ! Voilà. Ah, cette beauté. Oui, autant que le diamant, moi. Hein. Le chocolat, il n'y a pas de problème. Voilà. Donc, si jamais en convention, vous voulez m'apporter des cadeaux pour elle, vous savez quoi m'apporter. Mais du chocolat au lait, s'il vous plaît. Oui. Bon, chocolat blanc, t'aimes bien aussi. Ou blanc, mais chocolat noir, pas trop. Alors, tiens, voilà le temple. Mais il était trop, là. Il faudrait... Ouais, c'est pas grave. J'en ai 27, sûrement. Mais moi, j'en ai que... Tiens, je te donne tout mon stock, ça te va ? Non. Alors, moi, viens. On va rentrer dans le temple. Mais genre, il y a des constructions qui sont déjà prêtes. Alors, il n'y a pas grand-chose. Il y a des villages dans le désert, il y a des villages dans les plaines, entre guillemets. Et il y a des temples dans le désert et des temples dans la jungle. Et je suis désolée, je ne me fais vraiment pas cette armure fluorescente. Hein. C'est monstrueux. Vas-y, moi, je te laisse explorer le temple, je te suis. Par où faut que j'aille ? Explore. Mais il n'y a que ça ? Mais non, regarde en bas. Mais c'est pas de là où on vient ? Mais descends. Nous, on vient de là. Il y a un autre escalier juste là. Et j'ai essayé de progresser en orientation, mais franchement, vous auriez vu la... C'est vrai qu'elle a joué quelques heures. Oh. Oui, mais vu la configuration de... Enfin, non, je sais pas comment on dit, mais comme on avait tout mis... Ouais. Enfin, c'était quand même pas évident. Non, mince. Alors là, ça va faire jouer des pistons. J'ai jamais réussi à gagner. Mais c'est quoi ? Faut faire quoi ? Bah derrière, en fait, il y a des surprises. Donc généralement, moi, la technique que j'utilise, c'est ça. Oh. En mode bourrin. Bah en mode, attends que je regarde, qu'est-ce qu'il faudrait faire ? Tac, tac. Non. Hein ? Hop, hop. Je comprends pas. Tiens, regarde dans le coffre. Je vais en profiter pour récupérer les pistes. Ah, mais attends! Ah, bah super, Rotten Flesh. Ah, il y a quand même 5 de fer. Ah, j'ai rien dit. Attends, parce que s'il y en a un autre là. Ah, attends, je sais peut-être comment ça marche du coup. Enfin, franchement, on vient de tout casser. Ouais, mais bon. Attends. Hop. Non, j'avais pas compris ça. Vas-y, moi je te laisse continuer à explorer. Moi je vais réessayer. Mais qu'est-ce que je fais? Je prends le fer? Ouais, j'aime bien que tu me redonnes le levier. Les deux leviers, ouais. C'est bon, là ? Non, tu les as récupérés. Merci. Mais mets-les dans le coffre, au pire. Hop, merci. Et vas-y, je te laisse continuer à explorer. Pourquoi tu sautilles entre chaque ? Mais je regarde par-dessus. Bon, écoute, on va le laisser se faire mimuse, hein, et puis on va aller de l'autre côté. Ah, j'ai compris. Là aussi, aïe ! Qu'est-ce que c'était ? Hé, il y a un truc qui m'a fait perdre un demi-cœur. Bah, vas-y, continue à explorer. Bah non, mais attends, je sais pas si je peux... C'est quoi, c'est ce truc-là qui m'a fait perdre un demi-cœur ? C'est une arbalète ? C'est quoi ça? Mince, je l'ai cassé. C'était quoi? C'est pas plus mal que tu l'aies cassé. C'était quoi? C'est un... Mince, comment ça s'appelle? Tripwire. C'est quoi? C'est un truc qui tient un... Tu sais, les fils qu'on peut déclencher... Comment on appelle ça, tripwire en anglais ? Attendez, je vais passer le langage en français. Première fois que je fais ça. Il y a de la redstone par terre. Oh là là, c'est un petit truc piégé en fait ici, non ? Peut-être. Tu m'as remis la luminosité ou pas ? Ouais, c'est pas sûr pour la luminosité. Ça a l'air super sombre et...
Souvent ça. Ouais, si, c'est... Okay. J'ai le droit de mettre une torche ou pas? Alors, c'est un crochet. Bon, c'est... Oh, merci, la torche, ça fait du bien. Ouais. Petite pensée pour tous nos viewers. Oui, donc ça fait quoi ces crochets? C'est ça déclenche des mécanismes de redstone. Et c'est pour ça que j'avais perdu un micro, non? Oui. Ça m'a lancé quoi? Une flèche. Normal. Et là, si je passe, je me fais taper? Bah, ou... je sais pas, va jusqu'au coffre. Bah, super. Hey, t'es pas sympa. Hein. Tu le savais très bien, t'as déjà tout fait en fait. Mais oui! Ça, du coup, je vais récupérer les flèches, moi. Je m'en fous, je récupère l'or. Ah, il y avait de l'or. Ouais, dommage. Si tu veux la rotten flèche. Hop, c'est pas grave, moi j'ai 17 flèches maintenant. Et je te laisse là. Eh, mais ma torche. Alors, par contre, j'ai réussi à faire le système, donc ça y est, je sais comment ça marche maintenant. Regarde. Mais ma torche. Oh, ça, c'est une torche. Mais t'es où? En haut. Parce que... ça, en haut. En haut. Si tu actives bien le système, regarde. Là, ça crée un trou. Mmh. Et du coup, tu peux descendre. Récupérer ce qu'il y a dans le coffre qu'on a... Eh, mais... hey, mais tu vas mourir, toi, un jour. Aïe. Tiens, pour me faire pardonner. Mais je veux pas... mais quel crevard. Tiens, t'as... Après, mais non, mais je suis en train de te faire un passage. Bon, bah, tu peux toujours crever, hein. C'est toi qui vas crever. Bon, t'es parti où? Oh, t'es presque mignon, dis-le. Bon, on fait quoi? Bon, c'est bon, allez, on y va. Alors, bon, il est temps de tricher, mes amis. Enfin, d'utiliser les bugs du jeu. C'est alors. Sympa ici. Ouais, enfin c'est une jungle quoi. Ouais, c'est rigolo, j'aime bien. Alors, ce que tu vas faire, c'est que tu vas te mettre dans le trou. Tu m'enterres pas, hein. Non, non, non. Enfin, si, je vais t'enterrer, mais c'est fait exprès. Je t'assure. Ok. Hop. Maintenant, t'inquiète, je laisse le trou en haut. Tu mets d'abord, tu sautes et en même temps tu mets la fence. Clic droit, voilà. Est-ce que j'avais fait? Non, t'as fait un clic gauche aussi. Non, j'ai vu. Avant, j'ai fait un clic droit, ça marchait pas. Et maintenant, voilà, et tu fais pareil. Hop, voilà. Ah, c'est trop chelou. Donc là, tu vois à travers la map. Donc, on comprend rien. C'est cheaté, c'est sûr. Donc, voyons voir. Moi, ce que je recherche, c'est une mine abandonnée. Voyons voir. Et voilà, on en a une là. Bon, alors je le savais parce que j'étais déjà venu, hein, mais chut, faut pas le dire. Donc, notre but, c'est d'aller par là-bas. Je comprends rien. Alors, en fait, c'est juste un bug du jeu, parce que Minecraft est bourré de bugs. Oui, non, d'accord. Non, mais si, j'ai compris le principe, mais c'est juste que je comprends pas comment t'arrives à te retrouver là-dedans. Je trouve ça horriblement illisible. Bah, expérience. Oh, je te vois. Mais j'ai aucune notion des distances, en fait, là. Non, mais c'est normal, moi qu'à moitié. Mais du coup, tu peux revenir. On va commencer à creuser. Comment je reviens? Tu casses avec ta pioche. Ah oui, ma pioche, ça serait mieux. Non, non, mais... Ouais, enfin, vas-y, vas-y. Non, non, mais reste appuyé. Oui, pardon. Avec ta pioche. Mais j'avais ma pioche. Voilà. Et du coup, moi, je suis en train de descendre. Normalement, je vais réussir à arriver grosso modo... Oh, purée, ça va être la nuit. Mais t'es parti où? Tu m'as vu? À gauche. À gauche? Non, à gauche, voilà. Bah, retourne où t'étais, en fait. J'étais juste à côté. Voilà, tout droit par là. Ouais, du fer, en plus. Où ça? À gauche. Voilà, là, il y a un trou. Ah. Ok. Et on est juste à côté, en fait. Ah, c'est à droite, là? Ouais. Donc j'allais aller trop loin, et normalement si je viens ici... Hey, ça y est, je l'ai trouvé. On est arrivé. Alors, si tu veux bien me partager des torches, ce serait génial. Merci. Mais attends, je t'en prie.
Et maintenant, le but, c'est d'explorer tout ça. Ouais, les toiles d'araignée. Ouais, les toiles d'araignée, on peut soit les casser avec une épée et récupérer du fil, qui peut être utile, soit on peut également le casser avec des shears, je me souviens, et récupérer des toiles d'araignée. Des shears? Ouais, c'est des... Oh, il y a un archer, il y a un creeper. Ok, bon, voilà, ça se passe pas super bien pour l'instant. Alors tu vois, il y a plein de rails en plus. Et ce qu'on recherche, c'est des coffres. Donc si t'arrives à retrouver un coffre, ce serait nickel. Mais on va se perdre là si on reste pas ensemble. Moi j'ai une technique, c'est que je tourne toujours à droite. Toi tu peux par exemple toujours tourner à gauche. Non, c'est raté, je suis allé à droite. Voilà, attends. Une autre technique qui est bien connue et que j'ai vu qu'on t'avait même conseillé de le faire dans les commentaires du dernier épisode, les torches mêlées toujours. Oh, t'es sérieuse? Non, mais ah non, casse-toi. Ah bon? Ouais. Mais je suis où? Merde. Putain! Mais c'est pas grave, c'est pas grave. Mais si, arrête. C'est grave. Non, c'est pas grave, arrête de toujours paniquer. Mais je vais jamais réussir à revenir. Mais qu'est-ce qui s'est passé? J'ai pas compris. Bah, il y avait un zombie. Oui, mais il m'a tué super vite. Bah, il avait une épée. Mais il faut que je vienne de nuit, là, du coup. Ouais. Ce serait bien, sinon... Oh non, un bébé zombie, j'aime pas ça. Mais centre bien ton curseur dessus. C'est bon, hein. Je l'ai vu. Oui, mais... Ah, une torche, donc ça devait être par là. La première à gauche, à gauche. À gauche. Ouais. Ah, de l'XP. Ok, j'ai trouvé ton stuff, okay, cool. Je récupère quasiment tout, je me casse. Ah, j'ai des frises, c'est génial. Ok, alors, je vais commencer à balancer les trucs inutiles pour récupérer ton stuff. Mais comment ça se fait qu'il me tue aussi vite? Je sais pas. J'avais progressé là-dedans. Oh purée, il y en a partout. Bon, tu sais quoi? Je vais faire un coffre juste assez pour récupérer... récupérer ton stuff et je reviens te chercher, d'accord? Attention. What? Quoi? J'ai entendu un creeper, du coup j'ai dit attention, mais... Oh, you were slain. Ouais, là on est dans la merde, typiquement. Bah, y a tout... Bah, y a notre stuff à tous les deux, en fait. T'avais pas fait un coffre? Bah, j'étais en train de le remplir quand je suis mort. Bon, alors. Sprint. Ouais, je t'ai perdu. Je suis passé par là où on était tout à l'heure. Ah oui, c'était où? Par la côte? Ouais. Hop, alors, donc, pour t'expliquer pourquoi moi je suis mort, il y a un creeper qui a explosé. C'est pour ça que j'ai dit attention, parce que je l'ai entendu, ouais. J'ai cru que c'était chez toi. Et juste derrière, du coup, ça a cassé mon mur qui me protégeait du zombie. D'ailleurs, je viens de me rendre compte qu'en fait, j'ai pas de son. Oh, c'est quoi ça? J'ai un homme de Cro-Magnon, c'est normal. De quoi? Ça, c'est un squelette? Non, il y avait un truc en marron sur la droite. Genre qui est en train de me tirer dessus aussi. Oh là là. Je vais encore mourir. Bon, moi j'ai réussi à arriver jusqu'à la grotte. Alors voilà le temple. Le problème c'est que j'ai pas d'épée. Ah mais tu vas y arriver là. Hein? Bon, l'agriculture ça va être pour l'épisode prochain. Ouais, finalement... Exploration de la jungle, c'est pas idiot hein, comme thème. Ouais, par là. Ouais, arrête de bouger aussi vite. Mais je le fais pas exprès. Voilà, donc là, vraiment tout droit. C'est derrière le temple. Oui, c'est là où j'allais. Mais c'est là où j'étais quand je suis mort. Genre, tu me dis, bah oui, je sais. Mais oui, bah j'ai oui. Pas réussi à trouver l'emplacement exact, mais j'avais repéré où c'était à peu près. Bon, alors moi, c'est absolument horrible. Parce que moi, j'ai le son. Toi, je sais pas pourquoi ça bug, mais moi j'ai le son. Et il y a beaucoup, beaucoup de zombies et de squelettes. Et là, je vais où? Derrière lui. Tu vas exactement où il est. Ah non. Ne le regarde sur Dubin. J'ai pas regardé. Mais non, il a ouvert sa gueule, ça c'est quand tu le regardes d'habitude. Mais j'ai pas regardé. Non, mais je te crois. Là, il t'aurait déjà tué sinon. Voilà. Ah. Il me fait que passer, c'est pas moi.
Vous avez remarqué quand même que je garde vachement plus mon calme que la première fois. Hein. Vaguement. Hein. Ta première mort, t'étais pas heureuse. Hein. Non, par rapport à l'Enderman. Ah oui. Bon, tu es où là, du coup ? Alors, tu... Je suis les torches. Voilà, tu vas à droite. Bah, en fait, je suis là où t'es morte. Là, tout droit, et première à gauche. Mais il y a plus de zombies ? Bah, c'est juste qu'ils peuvent pas passer. Et moi non plus. Oh, tu m'as manqué. Oh, hé, bé. Bon, avance un peu. Voilà. Donc, voilà. Donc ça, c'est l'explosion d'un creeper. Oui, ça s'appelle un mur de cobble. Moi, j'ai vu passer quelque chose. Ah oui, ça ne m'étonne pas. Tu crois que je l'ai mis là pourquoi ? Ah oui, d'accord. Alors, je te rends... Oh, tu peux mettre les mâles sur les tables de craft ? Bah, ouais. C'est juste qu'il faut faire mage clic en le posant, pour que ça t'ouvre pas le truc. Non. Donc, c'est un peu double. La raison pour laquelle je m'extasiais tout à l'heure, c'est parce qu'on cherchait deux choses. On cherchait des mines abandonnées et des donjons. Donc là, c'est pas grave. C'est ça là ? Ouais. Bah, mieux vaut dans un coffre que dans notre inventaire. Et donc là, wow, ok. Donc je suis mort instantanément. Qu'est-ce qui s'est passé ? Bah, en fait, elle m'avait empoisonné avant, donc il me restait un demi-cœur. Je récupère tout ton bazar. Hein. Voilà, c'est ça. Ah oui, il y a une... Mince, moi aussi. Voilà, donc t'es empoisonné. J'avais pas pensé qu'elle était très petite et qu'elle pourrait nous avoir. Et je vais mourir, non ? Non, mais tu vas être descendu à pas beaucoup. Faut que je mette tout en pré... Ah oui, mais il y a plus de place. Non, bah je reviens. Ok, donc ce que je comprends pas, c'est ce qu'elles font là, j'ai l'impression que c'est un... En fait, il y a un bloc, c'est un spawner. Donc tu sais ce que ça veut dire en anglais, to spawn. Mm-hmm. Et ben voilà, donc là ça fait popper des créatures en boucle. Charmant. Donc la plupart du temps c'est des zombies, squelettes, et dans les mines, il y en a pour les araignées de... Enfin, cave spider. Elles sont plus petites que les araignées standards, ah oui, mais elles sont vénéneuses. Ah oui, les autres, elles font pas la même chose. Et hein. Non. Ah. Bah vas-y, tu peux me redonner tout mon stuff. Et on va aller tuer les trucs. Alors moi, je vais prendre l'arc aussi pour leur tirer dessus. Putain, tout est quasiment défoncé. C'est horrible parce que moi, je suis habitué à Holy Cube où on a tous des trucs cheatés et tout, durabilité fantastique. Et là, bah, c'est plus le cas. T'as pas besoin de me balancer tout ça, on s'en fiche. C'est juste les armes là qui sont importantes. Les torches aussi. Si tu voulais me donner la moitié des torches. Non. Tu fais clic droit. Et ça le sépare en deux. Ah. Et mon pantalon. Ah, il est là. On ne fera pas de mauvais jeu de mots. Ok, bon. Bah, il est peut-être là, mais... Pousse-toi. Bah oui, mais non. T'inquiète, je m'en occupe. J'avais mis une pierre en fait, mais peut-être que ta pioche a dû dégager plus loin. Ben je la vois. Ah mince. Et je vois également un zombie qui a récupéré un bout de ton armure. Oh ! De mon armure, mais moi j'ai tout. Bon bah de mon armure ? Ah ouais, c'est la tienne. Ah oui. Ah, il récupère les trucs. Pourquoi je récupère pas mes cœurs, moi ? Ok, vite. Ah non. Wouh. Ok, donc là, il reste une... Ah ouais, d'accord, donc il y a deux spawners juste à côté. Il y a un spawner à zombies et un spawner à petite araignée. Pourquoi je récupère pas mes cœurs ? Je sais pas, je veux bien que tu m'allonces un peu de bouffe. Oh, yayay. Crève-toi, petite araignée. Mais non. Oh, non ! Ouais, moi aussi. Oh non, c'est vrai, il y avait toute la bouffe. Oh, yayay. Bon, et si on arrêtait le massacre ? Non, faut qu'on récupère tout notre stuff. Et en plus, normalement, ils sont quasiment... normalement, ils sont maîtrisés, là, les deux.
Il devrait plus y avoir de pop. Alors, comment est-ce qu'on fait pour maîtriser un spawner? T'as pas besoin de prendre des... Je voulais me faire une épée. Non. Bah, on va récupérer les trucs qu'il y a là-bas. Ok. Comment est-ce qu'on fait pour maîtriser un spawner? On met des torches autour. En fait, les mobs ne peuvent pas spawner au-dessus d'un certain, une certaine quantité de lumière. Oui, c'est vrai. Et du coup, voilà, normalement, j'ai mis des torches juste à côté, donc il devrait seulement rester les mobs qui avaient déjà spawné. Mais tu m'avais pas parlé que je voulais des spawners, justement? Alors, en fait, le truc, c'est que nous, ce qu'on recherchait là, spécifiquement des graines de melon et de carottes, ça ne se trouve que dans des coffres, dans des mines et dans des donjons, comme on a vu. D'accord. Et du coup, c'est pour ça que quand j'ai vu ça, je fais génial. Sauf que le truc, c'est que c'est pas super simple de base. Et quand il y en a deux à côté, c'est même encore un peu plus chaud. Ouais. Donc on n'a pas un stuff incroyable, on n'est pas super bien organisé, donc bon. Je ne vois pas du tout de quoi tu parles. Non, n'est-ce pas? Ok, donc moi je suis dans la mine. Moi je finis par connaître le chemin, là pour le coup, je m'en perds, il n'y a pas de souci. Bah c'est bien, comme ça si jamais un jour tu as besoin de chocolat pour me faire un gâteau, tu sauras où. Non, d'ailleurs le chocolat n'est pas utilisé pour les gâteaux. Alors. Ah bon? Non, pour seulement cookies. Pour les cookies. C'est bien les cookies. N'est-ce pas? Ok, on a l'air bon là. Ouais, donc deux spawners l'un à côté de l'autre, c'est vraiment pas de bol. Moi j'arrive tranquille, Zoro. Ça va? Je te dérange pas trop? Coucou. Bon, tiens, ça c'est ton équipement. Merci. Ça aussi. Ok. Pour le reste. Hop. Voilà, bon, c'est pas GG. Enfin, c'est pas génial, mais... T'as ouvert le coffre, là? Non. Vas-y, je te laisse l'ouvrir. Oh, mais il y a plein de choses. Ouais, mais il n'y a pas ce dont on a besoin. Il y a du pain et du blé. Bah, mais bon... Et What? Oui, il y a des... On peut jouer de la musique. Alors, il y a une selle, ça c'est cool, on peut la voir que là-dedans. Moi, ce que... Mais c'est pas ça que je voulais. Donc, je suis un peu déçu. Ceci dit, on va garder en tête qu'on a des spawners ici. Hop. Parce que ça peut être très intéressant. Par contre, ça fait un peu peur. Putain, on a perdu ma pioche en diamant. Non, je l'ai. Ah bon. Ok, bon. Bah écoutez, on va s'arrêter là, hein, pour l'épisode agriculture, donc. Donc, dans le prochain épisode, soit on fera vraiment de l'agriculture, soit j'avais pensé peut-être que, comme symbolisme à l'épisode 10... On pourrait aller dans le Nether. Madame n'est pas très chaude. Mais bon. Non, mais si, pourquoi pas. Après, de toute façon, voilà, le Nether n'est pas une fin en soi. Je sais juste pas exactement à quoi m'attendre, c'est tout. Le Nether. Justement, ça va être fun. Bon, nous, on va finir d'explorer tout ça quand même, on sait jamais. Et on veut quand même un jour faire notre épisode agriculture, donc ça nous sera utile. Hop. Ah oui, pardon. Voilà. Bon. Hein, je ne sais pas ce que ça va donner au montage, mais... J'en ai jusqu'à 3h du mat, hein, comme d'habitude, à monter. On essaiera de moins tourner en rond la prochaine fois, désolé. C'est pas une question de tourner en rond, là, on s'est complètement fait gangbang, comme on dit dans le jargon. Donc bon... Les silver lights en force, n'est-ce pas? C'est ça. On va aller se coucher, hein. Tu vas aller te coucher, moi je vais aller travailler. Bon, et ben à la semaine prochaine. Salut. Merci à tous de m'avoir regardé. À bientôt. C'est méchant. Oh là, on est mignon. Oh oui, on est très mignon. On est tellement mignon que je te transperce avec mon épée. Oh non. Bon, t'as fini de bouger. Attends. Va, double face. Ouais, you're creepy. Putain, qu'il est chiant. Regarde le temple. Il est où le temple? Il est là. Oui, mais montre-le-moi. Bon, alors là, c'est sur ta gauche.
Mais qu'est-ce qui s'est...